Un roi isolé du reste de sa famille. Après ses déboires judiciaires et médiatiques, le roi Juan Carlos d'Espagne s'est exilé à Abu Dhabi, Émirats Arabes Unis, s'éloignant ainsi de sa famille. Le père du roi Felipe VI revient pourtant de temps en temps dans son pays d'origine, même s'il n'y est pas souvent bien accueilli par la presse. Ce sera encore le cas cet été car Juan Carlos compte passer quelques jours en Galice. Comme le rapporte le site espagnol Vanitati, il participera à la régate de la Coupe d'Espagne, qui aura lieu les 28, 29 et 30 juillet prochains. D'après la publication, le roi Juan Carlos restera sans doute discret mais il sera en tout cas loin de son fils. Ce dernier, fan de voile également, sera pris par une autre course, la Copa del Rey Mapfre, qui se déroulera dans la baie de Palma, à peu près aux mêmes dates. Le père de Léonore et Sofia y est attendu pour remettre le trophée à l'équipe gagnante. La famille royale passera comme à son habitude, le reste de ses vacances à Majorque et aucune réunion familiale avec le roi Juan Carlos n'est prévue pour l'été. Juan Carlos, sur qui il peut vraiment compter Felipe VI et Letizia d'Espagne snob un événement familial. Le couple royal espagnol ne se montre pas très famille ces derniers temps. Felipe VI et son épouse, Letizia d'Espagne, avaient fait l'impasse sur une autre fête de famille le 16 juin dernier. Irène Urdangarin a en effet célébré ses 18 ans et son obtention du diplôme de fin d'études secondaires. Comme l'a révélé le média Point de Vue, la jeune femme a notamment pu retrouver de nombreux membres de sa famille pour l'occasion. C'est notamment le cas de ses grands-parents, Sophie d'Espagne et Juan Carlos, de son père, Iñaki Urdangarin, qui était accompagné de sa nouvelle partenaire, Ainhoa Armentia, ou encore de ses frères, Juan, Pablo et Miguel. Mais ce n'est pas tout. Sa mère, l'infante Cristina, sa grand-mère maternelle, Claire Liebaer, sa tante, l'infante Elena et ses cousins, Victoria et Froiland de Marie Chalard étaient également de la partie. De leur côté, Felipe VI et sa compagne, Letizia d'Espagne, manquaient à l'appel. Selon nos confrères, le couple préférerait se montrer uniquement dans leur rôle officiel. Crédit photo, Europa Press. Step a God who sees.